Voilà, bon allez, on va aller. Ce guide du sorcier est bien pratique. Réveillon. On va voir là-dessus. En même temps, je vais essayer de récupérer les trucs que je n'ai pas encore. C'est une torche là ici. Enfin une cheminette. Voilà. Hop, juste au cours du vol. Hop. Là on va arriver sur une créature magique. Rébellion. Tout est fermé. On peut rien prendre. Oui, tout est fermé. Rébellion. Ok, bon bah tant pis, c'est rien. Réveillon. Réveillon. Oh, champignon. Vu-moi qu'on ait le balai quand même, hein, ça sera plus simple avec le balai. Hein. Ce sera plus joyeux aussi. Après, c'est fait exprès, hein, c'est pour te faire découvrir un peu la map aussi. Ah, mais vise! Rébellion. Non, je suis trompé. Rien d'autre à faire dans le coin? J'ai pas encore développé débloqué les merlins là-dedans. Ça me dit rien, je crois pas. Bah si, j'avais déjà un truc apparemment. Rébellion. Tiens, je me suis tapé la manche pour rien, tu vas me dire? On arrive à la cabane d'Hagrid. Ah, c'est pas Hagrid, mais. Rébellion. À faire ici. Ah, je savais bien faire un truc. Niveau 12. Et en bas, il y a une grotte. Ça m'intrigue. C'est une grotte. Je crois qu'il y a un trésor en bas, c'est tout. Ouais.
quand on y voit fabriqué par un elfe. Voilà, parfait. On va aller par là, ça ira plus vite que de faire tout le tour. Il me semble qu'il y a une quête ici. Ouais. Oui, il faut aller chercher un truc dans l'eau là. On va la faire vite fait celle-là. Puis-je te demander ton aide ? En plus, c'est une serpentard. Toujours des serpentards. Bonjour. Je peux t'aider ? Oh, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch. J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose. Ouais, il faut aller chercher un truc dans le fond du lac. Plonger dans le lac, ça... Merveilleux! Pourquoi as-tu besoin d'aide? Il y a des années, mon grand-père... Et ils ne sont jamais... Toutes mes condoléances. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que mon père était... C'est un truc que je vais pas les rendre longues. Ça a l'air dangereux. Je comprends. J'ai comparé l'endroit où on aurait... Je pense qu'il est juste là, hein. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Plonger dans le lac Nar et retrouver l'astrolabe. Allez, nage! L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ok. De l'apnée quand même, hein. Les lunettes de Quidditch. Alors, c'est génial, donc putain, on va faire noir, on va plus rien voir. Haute forme. C'est bien, ça m'aura fait un peu de stuff. Astrolabe, une potion. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Ah, mais est-ce que je vais lui rendre maintenant? Ça, c'est une question. Ça, c'est notre question maintenant. Eh ouais, parce que je suis un méchant. Je suis un méchant. Oh, c'est quoi ça? Non. C'est les cailloux. Revelio. Ah bah voilà, ça c'est Merlin. Bon, j'ai pas encore fait les épreuves de Merlin du coup. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Non, ça va. Bonjour Grace. J'ai suivi. Oh, incroyable! Je l'ai bien trouvé, mais je le trouve joli, et je pense que je vais le garder pour moi. Pardon ? Mais tu n'as pas le droit ? Il ne t'appartient pas. Qui trouve garde, Grace ? C'est pas vrai, je n'y crois pas. La stupide interdiction de mon père nous a coûté un objet de famille inestimable. Eh bien, j'espère que ton nouvel astrolabe ne t'apportera que misère. Encore faudrait-il que tu saches l'utiliser. Oh, il est méchant ! Je savais que j'aurais dû plonger moi-même, sans tenir compte des souhaits de mon père. Bon, moi j'ai gagné un astrolabe dans l'histoire, m'en fous. Excellent. Masque des sirènes.
Eh ouais. Revelio. Je suis un méchant. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Ah oui, là, c'est aller libérer son camp, là, c'est vrai, là. Aller chercher ses affaires dans le camp, là. Ok, ça, c'est bon. Ça. Hop, on va juste enlever le... Que ça fait dégueulasse. Voilà. Chapeau, c'est pareil, je pense. 26. Il y a le chapeau dans Alice au Pays des Merveilles. Le chapelier fou. Ah, celle-là, elle est classe. On va enlever ça aussi, parce que ça fait dégueulasse aussi. Voilà. Et on mange de baguette. Voilà. Donc du coup, à quoi il me sert l'astrolabe ? Est-ce qu'il va me servir ou pas, alors, du coup ? Bon, c'est, on les prend juste pour dire de les piquer, c'est tout ? Ok, bon, c'est juste ça, ouais. Bon, on va parler au gobelin, là. Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes, Ran. Ils vous ont attaqué ? Lorsque j'ai dit ça... Ils ont pris le chariot et... Je vais essayer. Ces gens... J'ai enchanté les chances sont minces. J'en ai bien peur. Voilà, comme ça, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Même Révélio. Si les circonstances auraient pu être meilleures. Encore une maison fermée ici. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Coquillage métallique. Ah, en fait, c'est chiant, tu peux pas... Bonjour, faire la moitié des trucs. Que vendez-vous ici ? Bonjour, je m'appelle... Que proposez-vous à l'avant ? Alors... Bon, je vais juste lui vendre des trucs. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Putain, j'en ai eu des objets depuis... Hop, voilà. J'espère... Voilà, voilà. Bon, on va aller parler à Nati. C'est Nati, hein. On va aller parler à Nati. Voilà. Et on ira faire la quête du gobelin en pire après. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va T'inquiète. Bien. T'inquiète. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche ? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. C'est étrange. Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. T'inquiète. On peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour Dave. Et le moment où Syrona a tenu tête, vous m'avez donné le courage. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère... Je ne compte pas rester les bras croisés pendant... Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. J'avais entendu dire qu'ils avaient été... C'est une raison de plus pour... Si l'on en croit la rumeur, Théophile... En l'éliminant, on pourrait paralyser... Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier... Je me suis entretenue avec elle. Okay. Elle s'est montrée... J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opéra... Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête. Très bien. Je vais ouvrir l'œil pour En attendant, n'oublie pas. Merci, Nati. Ok, tout ça pour rien au final, parce qu'il n'y a pas de quête. Sois sur tes gardes.
Pardon ? Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah bah oui, c'est Merlin. Quel plaisir de vous revoir. Allons-y, baston. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. De toute façon, je connais le truc. J'espère que vous allez faire. Je détruis. Regarde ce que tu as fait. Tu vas payer pour ça. Oh là 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 là. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh putain! Je vais avoir combien de con? Lâche-moi! Il y a un léger petit bug de Protego. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Est-ce que ça va? Pourquoi c'est ça? Des serpents en cendres? C'est une longue histoire, mais merci pour votre... Eh bien, vous les avez évités. Je pense qu'il serait mieux... Vous menez des recherches? Norat... Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur... Un simple mythe ? Lui qui ne cesse de... Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là. Des installations ? Ouais, allez. Je comprends. Père, je soupçonne que la mauve... La mauve douce ? Je venais vérifier en étudiant l'écrit. La mauve douce était censée... Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Ouais, je m'en occupe, t'inquiète. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre... Et nous verrons bien ce qu'il se passe. Hop. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Incendio! Territoire inconnu. Je me demande par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Je pote assez vite. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Vivement que j'ai Oh. Incendio. Il y a un autre sort où quand tu balances limite une boule de feu, c'est quand même mieux ça. Je préfère ça, Incendio, c'est trop être à côté des gens, c'est chiant. C'est magnifique. Quelle journée. Je n'en reviens pas. Voilà. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toute
toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. D'accord. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Moi aussi, de même, toujours. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes. Réveillons. Oh, la preuve de Merlin, ça c'est fait. Oh, ça c'est important, il faut les faire parce que ça permet d'augmenter l'inventaire. Bonjour, jeune serpentard. Scrope sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrope peut vous aider. Et vous ? Vous pouvez aider Scrope. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Ouais, ça c'est pour aller dans la tour de le machin, là. La pièce secrète. Bon, alors déjà, on va faire le stuff. Voilà. Ça c'est fait. On va. Voilà. Ah, j'ai encore fait aucune quête extérieure. Je pense que je me suis concentré sur la quête principale. Ça s'en fout. Voyons voir les quêtes que j'ai sous la main. Je suis peut-être allé faire celle-là. Histoire de pouvoir finir le devoir là. Puis c'est pas si loin que ça au final. Rebellion. Ça, au moins je vais pouvoir oui, il court comme ça lui. Il y a des ennemis à droite là ici. C'est quoi les ennemis? C'est des araignées, je crois. Ouais. Action! Incendio! Protego! Stupéfix! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Et ici, il y a alors une patte qui vole ici. Il y a beaucoup de bugs aujourd'hui, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Les moutons. Bam. Réveillio. Fais peur, saleté. Incendio. Oh, quel dommage d'être aussi répugnant. Rebellion.
m'a fait peur, saloperie. Oh, c'est encore loin, les chariots, là. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Protego. Voilà comment je l'ai. Wouah! Elle a rien vu venir. Quoi, les araignées là-bas? Je pense que c'est des araignées. J'ai touché à ton home, mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Quelle arrogance. Incendio. Oh là 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 là, me balade là. Il est trop tard pour te repentir de tes erreurs. Oh, je me suis baladé là. Franchement, je me suis baladé là. Revelio. Je devrais peut-être faire un tour à Fellcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Un campement. C'est sûrement ici. Je sais pas si on peut... Parier sur les combats de dragons, c'était le meilleur investissement de ma vie. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté de Kral. Action. Je devrais peut-être bouger. Incendio. Oh là 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 là! Bon, mis à part la petite erreur du début, on dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Ah oui, c'est vrai, il y a une épreuve de Merlin dedans en plus. Il doit avoir moins de rentrer derrière. Une tasse de thé aux champignons. Très original. Pas moins de rentrer, il n'y a pas une petite brèche quelque part.
J'aurais bien voulu voir s'il y avait moyen de... de faire Petrificus Totalus. Je pourrais m'endormir. Ah, je peux pas rentrer. Ok, d'accord, super. Il n'y a pas vraiment de... Ils m'ont pas vu. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé dans les mines. Je sais pas si on peut le faire. On va voir tout de suite. Petrificus Totalus. Effectivement, on peut le faire. Oh oh. C'est gentil. Combien êtes-vous? Un humain de moins. T'en vais mourir, c'est ça? Eh merde. Voilà, tu vas me tuer. Tu viens mourir, c'est oh, ça? Putain. Oh putain! Oh, oh, je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Si seulement Ranrock pouvait être ça. C'est moi qui le tiens. Action. Protego. Stupéfix. Action. Incendio. Je vais te faire péter. Protego. Ah putain, je pas assez vite. Action. Action. Tu ne peux pas vous arrêter. Les vieux sauts. Et où? Incendio. C'était assez incroyable. Oh. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Il est chaud. Réveillio. J'ai chaud. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Réveillio. Allez. Hop. Action.
Revelio. Rien par ici. Il y a un coffre là-haut. Alors, quelles sont les bouboules qui restent? Ils sont quelque part ici. Oh, c'est bien. Action! Incendio! Action! Voilà, voilà, voilà. Bon, bah ici, il n'y a plus rien à faire. On peut retourner voir le gobelin. Vas-y, on va y aller comme ça parce que je vais pas nous retaper la route. Hein. Eh, qu'est-ce que tu me fais, là? Putain, je sais pas ce qu'il a, le jeu, aujourd'hui, mais c'est une cata, hein. Voilà.